Comment améliorer sa fertilité? La fertilité, selon l'OMS, est une affection du système reproducteur masculin ou féminin définie par l'impossibilité d'aboutir à une grossesse après 12 mois. D'autres organismes de santé vont jusqu'à 24 mois. Donc, comme on peut le voir, la fertilité peut toucher aussi bien les femmes que les hommes. C'est pourquoi il est recommandé de faire des examens pour voir d'où vient le problème. Quoi qu'il en soit, il y a des choses que vous pouvez faire qui peuvent vous aider à améliorer votre fertilité. C'est de ça que je vais vous parler dans cette vidéo. Aujourd'hui, je vous donne trois conseils pour améliorer votre fertilité. Le premier conseil, c'est d'avoir un régime alimentaire sain. Pour avoir des enfants, vous devez préparer votre organisme en mangeant varié et équilibré afin de faire le plein de vitamines et de minéraux. Et surtout, évitez l'alcool, le tabac, le stress et la fatigue, car ils ont un impact important sur la fertilité. Parmi la diversité des aliments qui existent, vous pouvez commencer par les graines de citrouille, car ils sont riches en zinc. On dit souvent que le zinc, c'est la vitamine de la fertilité. Il contribue à une fertilité et une reproduction normale et à la synthèse normale de l'ADN. N'hésitez pas à vous documenter sur l'importance de cette vitamine. Vous pouvez aussi consommer de l'huile de germe de blé, qui est riche en vitamine E et est un excellent antioxydant. Elle réduit les radicaux libres de notre corps afin d'améliorer la fertilité. Autre chose, consommer des aliments riches en fibres. Pourquoi? Eh bien, parce que l'une des principales causes de l'infertilité chez les femmes est due au syndrome des ovaires polykystiques, encore appelé SOPK. Et les aliments riches en fibres préviennent justement l'apparition du SOPK. Alors, n'hésitez pas à manger beaucoup de fruits et de légumes. Par exemple, les pommes, les poires et les bananes sont d'excellentes sources de fibres. Si vous souffrez d'infertilité ou si vous êtes en essai bébé depuis longtemps, il y a une chose que vous devez absolument faire, c'est éviter les gras transsynthétiques et les aliments transformés. Les gras trans, ce sont des graisses qui permettent de solidifier les huiles insaturées, comme l'huile de maïs et de soja. Aujourd'hui, on parle de procédés d'hydrogénation. Comment les détecter? On trouve les gras trans dans les plats préparés, les confiseries, les biscuits, les viennoiseries, les pâtes à tarte, les pâtes à tartiner, les pâtisseries commerciales, etc. Même certains aliments santé des rayons des supermarchés en contiennent. Avant d'acheter un produit alimentaire, regardez toujours la liste des ingrédients. Si la liste des ingrédients comprend les termes huile végétale hydrogénée ou partiellement hydrogénée, alors sachez que le produit contient des gras trans. Les aliments transformés augmentent le risque d'infertilité chez les femmes. En fait, ils ont un effet négatif sur la sensibilité à l'insuline. L'insuline est très similaire aux hormones ovariennes. Cette hormone aide les ovules à mûrir. L'augmentation de l'insuline provoque une sécrétion de moins en moins importante des hormones de reproduction et cela provoque un manque de maturation et d'ovulation des ovules. Donc, évitez les aliments qui contiennent les transformés, comme les hamburgers, les pâtisseries, les aliments cuits et emballés dans des sachets. C'est vrai, ils sont savoureux, mais ils vous abîment la santé. Le deuxième conseil, c'est de pratiquer le yoga. Le yoga est un sport doux qui aide à réduire le stress. Il permet de détoxifier le corps, d'améliorer la circulation sanguine et de stimuler le fonctionnement du système immunitaire.
Il aide aussi à assimiler les traitements hormonaux chez les femmes ayant des problèmes de fertilité. Il existe des positions en yoga appelées asanas qui maintiennent l'équilibre de vos hormones et cela ne peut vous faire que du bien. Il y en a 6 qui sont particulièrement bons pour la fertilité. Mais ici, je vais vous en donner seulement 3. Parce que les 3 autres sont extrêmement difficiles à prononcer. Donc, pour toutes celles qui seront intéressées de les connaître, dites-le-moi en commentaire. Ce sera avec plaisir que je vous les donnerai. Il faut noter que chaque position a des étapes en fonction de votre niveau de pratique. Pour savoir comment il faut faire, vous avez sur Internet beaucoup de vidéos qui expliquent comment pratiquer. Alors, la première position est celle du guerrier. Il existe 3 postures du guerrier. Ce sont des exercices qui sollicitent le corps entier. Ici, le gros du travail est fait par les pieds, les jambes, les fessiers et l'abdomen. Les 3 postures du guerrier activent le métabolisme et génèrent de la chaleur. Une pratique régulière de cette position permet de réchauffer les organes reproducteurs pour une bonne ovulation. La seconde position est celle de Bhadrasana. Cette posture assouplie ouvre la zone du bassin, développe l'énergie sexuelle et assure la jeunesse du corps. Elle stimule la zone abdominale, fortifie la colonne et le plancher pelvien et assouplit la région des lombaires. C'est une position intéressante lorsqu'on a des problèmes d'infertilité. La troisième position s'appelle Malasana. Elle aussi a 3 variantes. Ces 3 postures permettent de consolider votre force intérieure. Elle agit sur les cuisses, ouvre le bassin et permet aussi de raffermir, de tonifier le ventre et les ovaires. Elle est idéale pour renforcer les organes reproducteurs. Enfin, le troisième conseil pour améliorer votre fertilité, c'est de faire de la méditation. Vous devriez faire de la méditation très régulièrement. Cela va vraiment vous aider, car la principale cause d'infertilité est due au stress. Aujourd'hui, on n'a plus le temps de sourire, de se connecter à la nature, d'être avec soi-même. On court partout. Il faut faire ceci, il faut faire cela. Même le travail peut être stressant. Il faut se poser, loin de toute distraction, pour faire de la méditation. La méditation permet de gérer les difficultés de la vie, de réduire l'anxiété, la dépression et de stimuler les émotions positives. Voici 2 techniques de méditation que vous pouvez faire. Nous avons le Sukhasana et le Nishpanda Bhava. Évidemment, vous avez beaucoup de vidéos sur Internet qui montrent comment mettre en pratique ces 2 techniques. Voilà, on est arrivé à la fin de cette vidéo. Je voudrais vous dire de faire des efforts pour y arriver. Tout est pour le bien. Soyez toujours heureux et joyeux tout le temps. Faites la part à qui vous incombe. Ayez la foi et tout arrivera au bon moment et de la bonne manière.